Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, je vous prends enfin de vive voix. Comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour un format, j'allais dire un peu particulier, mais non, c'est pas particulier, c'est juste que moi j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. Mais je vous retrouve pour un vlog, puisque en fait cette semaine j'ai été à la bibliothèque de ma ville et j'ai décidé d'emprunter des BD, des romans graphiques, etc. Et en fait là on est le je ne sais plus combien novembre, on est en reconfinement et du coup j'ai reçu un mail de la bibliothèque de ma ville qui me disait que du coup suite au confinement ils faisaient pareil une sorte de click and collect, en fait on peut réserver nos livres en ligne et on va les chercher etc. Et ensuite on les remet dans des boîtes à livres etc. Bref. Et du coup, je sais pas, d'un coup, j'ai eu une illumination et en sommeil, je me suis dit, mais meuf, en fait, t'as genre 45 000 BD dans ta wishlist et ça se trouve, tu vas pas toutes les aimer et en plus, ça coûte cher, donc ça m'embête d'acheter une BD si je ne l'aime pas parce que ça coûte cher pour le temps de lecture, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi je ne ferais pas des emprunts à la bibliothèque? Du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu les livres que j'ai empruntés. Du coup, ça reprend un petit peu le concept des carnets d'Opaline, de ces... Je sais plus comment je les appelle. Mais en gros, elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque et du coup, elle fait ça, en fait, elle les lit et elle donne son avis directement, etc. au fur et à mesure. Du coup, ça reprend un petit peu ce concept-là. Donc du coup, ben, je vais vous faire ça, sauf que moi, normalement, j'aimerais bien tous les lire aujourd'hui, voire maximum demain. Du coup, la première BD que j'ai décidé d'emprunter, c'est La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Lachaise. Voilà. J'en avais entendu parler sur le compte Instagram de Muffins and Books, comme quasiment 70% des BD qui sont dans ma wishlist. Voilà. Donc du coup aujourd'hui j'aimerais bien lire celle-ci, elle est assez grosse, ça fait quasiment 200 pages je crois. Ensuite j'aimerais lire Dreams Factory de Amon, alors attendez parce que là j'ai pas les noms en entier, ça m'agace, de Jérôme Amon, Sueb Zako et Lena Sayafoum. Je suis désolée, j'ai dû écorcher les prénoms. C'est publié aux éditions Soleil. Celle-ci est publiée chez Delcourt. Voilà. Et donc je vais me lire cette BD aussi. J'ai lire cette petite BD, mais elle est absolument immense. Je sais pas, attendez. J'ai l'impression de vous faire ça à chaque fois, mais par rapport, par exemple, aux Sœurs Grimillées. Voyez la différence de taille quand même. Bref, donc du coup, je vais. Je disais, donc du coup je vais lire ça aujourd'hui et il faut que je me renseigne parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit sur Instagram l'autre jour qu'apparemment il n'y avait jamais eu de suite publiée pour celle-ci. Donc ben, je suis un peu dégoûtée, j'ai l'impression que je ne fais que commencer des sagas de BD qui n'auront jamais de fin. Donc voilà. Et le dernier que j'ai emprunté, c'est J'aimerais te parler d'elle de Sophie Carquin et Pauline Duhamel. C'est publié chez Albin Michel Jeunesse, voilà. Et ici, c'est un livre comme ça avec des illustrations où en fait, à chaque page, on parle d'une femme importante qui a marqué l'histoire. Et donc là, par exemple, on a Maria Montessori. Voilà. Du coup, je vais lire ça. Ça va se lire très, très vite aussi. Et en fait, j'en avais emprunté deux autres parce qu'on avait le droit à cinq emprunts. Sauf qu'en fait, je me suis trompée puisque je voulais emprunter le tome 1 et 2 de la BD Tu mourras moins bête. Et qu'en fait, eh ben, j'ai pris les DVD. Voilà. Je ne savais même pas que ça existait en DVD. Mais bah moi je veux pas les DVD, je veux les BD. Donc du coup, puis de toute manière, j'ai rien pour regarder des DVD, ni sur mon ordinateur, ni j'ai pas de PS4, j'ai pas de lecteur DVD, etc. Bref, donc du coup, et ben ceux-là, je vais les rendre tels quels. Et en tout cas, je vais lire ces trois-là aujourd'hui. Voilà, du coup, je vais vous emmener avec moi et vous donner mes avis en même temps. Du coup, vous l'avez vu dans le début du vlog, mais tout à l'heure, j'étais en train de lire et j'ai terminé ma lecture en cours qui était Le Prince Cruel. J'ai enlevé la jaquette. Il tombait. Donc voilà, moi je l'ai en anglais. Mais je l'ai lu sur ma liseuse en français parce que c'était pour la. C'était le... C'est le livre qui a été choisi pour la lecture commune de Bouche-Tombouc en fait pour ce mois-ci. Et je savais très bien que si je le lisais en anglais, dans 3 semaines j'y étais encore. Donc du coup j'ai décidé de le lire en français. J'ai lu une dizaine de pages, je pense, en anglais. De temps en temps, je me disais, allez, je lis la fin du chapitre en anglais. Donc voilà. Mais comme après j'ai pris du retard, et ben en fait toute la fin de semaine, je n'ai plus du tout lu. Je réponds marque page parce que je l'ai fini. Je l'ai plus du tout lu en anglais. Voilà, mais je suis très contente de l'avoir en anglais quand même. Et j'essaierai de lire la suite en anglais. Ce serait bien. On a des doutes, oui, moi aussi, mais ce serait bien. Donc voilà, ça c'était ma lecture de la semaine. J'ai beaucoup beaucoup aimé, mais
ce vlog n'est pas le lieu pour parler de ce livre, donc je vous en parlerai en update lecture et dans un post sur Instagram, mais en tout cas sachez que j'ai beaucoup aimé. Du coup aujourd'hui j'aimerais bien lire ces 3 BD et si vraiment j'avance bien, j'aimerais bien aussi continuer le livre de ma copine Laura. Voilà, c'est son tout premier roman qui est auto-édité et en fait j'en suis à 222 pages sur 400 je crois, sur même pas 400. Et du coup je l'avais mis en pause pour faire la lecture commune parce que j'arrivais pas à lire deux livres en même temps. Mais du coup là bah, j'aimerais bien le terminer, voilà. Mais je vais me concentrer sur les 3 BD d'abord et puis au pire eh ben, je le continuerai demain. Et du coup, hors le fait que je veux lire ces 3 BD aujourd'hui, j'ai aussi pas mal de choses à faire puisque bah, va falloir que je prenne une photo pour ma lecture du Prince Cruel, va falloir que je prenne des photos pour ces 3 là parce que si je les lis aujourd'hui, j'aimerais bien les ramener demain en bibliothèque pour pouvoir faire d'autres emprunts directement après. Donc il faudrait que je fasse 4 photos dans l'idéal. Il faudrait aussi que j'écrive mes avis sur les BD que j'ai lus au mois d'octobre, que je vous ai déjà présenté dans mon update lecture, mais dont je n'ai pas encore parlé sur Instagram. Voilà. Donc il faudrait que je fasse ça. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Il est déjà 12h30. Après, je pense que tout ça, ça va se lire assez vite, je pense. Bon, ça, ça va peut-être être le plus long à lire parce que c'est là où il y a le plus de texte. Mais voilà. Et je suis en train de voir que mon trépied est en train de rendre. Voilà, mais en fait j'ai un des clips qui bloque les pieds qui se détache tout seul. Du coup par moment mon trépied il baisse comme ça d'un côté. Voilà voilà, je suis contente parce que ça fait que 3 mois que je veux lire. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée. Ah oui, et du coup c'est ça que je vous ai pas dit aussi. Mais comme on est en reconfinement, j'ai décidé que je n'allais pas acheter de livres ou de BD ou quoi que ce soit pendant ce reconfinement, déjà parce que j'en ai déjà bien assez dans ma palle, deuxièmement parce que financièrement j'ai besoin de faire des économies, et troisièmement parce que les livreurs, les gens de la poste, etc. sont déjà débordés justement par toutes les personnes qui sont en train de commander sur Amazon à foison. Voilà, j'ai une amie qui travaille à la poste donc je le sais. Ils sont complètement débordés, du coup je me dis à ma petite échelle au moins moi je n'encombre pas encore plus leur réseau et je leur facilite un petit peu la tâche. Voilà, je sais que c'est pas moi mon échelle qui vais changer grand chose, mais bon je me dis qu'au moins voilà je fais un petit quelque chose. Et j'avais déjà fait ça pendant le premier confinement, je n'avais rien acheté pendant le confinement. Je me dis j'ai déjà plus de 200 livres dans ma palle, j'ai largement de quoi faire. Et du coup, la bibliothèque me permet de pallier aussi un petit peu en empruntant des choses que j'aurais envie de lire et que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. Donc voilà. Bref, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire là tout de suite. Je vais peut-être essayer déjà de faire les photos pour les BD et pour le Prince Cruel. Et puis ensuite, peut-être que je mangerai. Et ensuite, je me remettrai à la lecture. De toute manière, je vous retrouve tout de suite pour vous et pour moi et ben dans quelques minutes. Voilà. Ou quelques heures. Ou peut-être que j'ai complètement oublié de vlogger et qu'en fait vous ne verrez jamais ce vlog. C'est possible. Je viens de décider que j'allais commencer avec celle-ci. Donc c'est parti. Et avant, hydratation. Bon, je viens de le terminer. C'était trop cool.
J'avais un doute, il me semblait que ça parlait de l'autisme. J'étais plus sûre, du coup, je voulais pas vous dire que ça parlait d'autisme si en fait ça n'en parlait pas. Mais en fait, si, on va parler d'autisme dans cette BD. Et en fait, l'auteur, donc qui est Julie Dachaise, est autiste et elle nous raconte en fait son histoire dans cette BD là. Et c'était vraiment, vraiment hyper cool. Faut savoir que j'étais infirmière avant et j'ai eu l'occasion de faire un stage avec des enfants autistes qui m'avaient passionnée. J'avais adoré ça en fait. Je les trouve hyper intéressants et enfin c'est un sujet qui me passionne, voilà. Et du coup je suis très 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 contente d'avoir lu cette BD que je m'achèterai sans aucun doute, voilà. Puisque enfin, je la ramène à la bibliothèque et qu'en plus c'est en sale état, mais moi je me l'achèterai. Et alors je suis pas fan des dessins, contrairement à d'habitude. En principe je ne lis pas une BD si je suis pas fan des dessins, sauf quand ça porte sur un sujet qui m'intéresse, quand c'est pas une histoire de fantasy, etc. et tout. Et là je savais que c'était un sujet qui m'intéressait. Je vous dis, je me souvenais plus que ça parlait d'autisme, mais quand je l'ai mis dans ma wishlist, je savais que ça parlait d'autisme. Et c'était vraiment 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 hyper bien fait en fait. Enfin, même pas hyper bien fait en fait, parce que c'est juste son histoire, mais c'était hyper intéressant. Et je pense que pour toutes les personnes qui n'en savent pas beaucoup sur l'autisme, c'est très intéressant de lire parce que ça apprend vraiment vraiment beaucoup de choses. Parce qu'en fait, au-delà de l'histoire de Julie, donc au fil de la BD, on va apprendre des choses sur les autistes, mais à la fin, on a également une espèce de... On a des pages en fait sur qu'est-ce que l'autisme. Et du coup, voilà, on va avoir tout plein de pages comme ça avec l'histoire de l'autisme, l'autisme en France, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger, les caractéristiques d'une personne autiste, etc. Et vraiment, c'était hyper, hyper, hyper bien. Et justement, même moi qui ai travaillé avec des enfants autistes, qui ai vu l'autisme en cours, etc., j'ai appris des choses que je ne savais pas et du coup je trouve ça hyper cool. Et je voulais juste vous lire cette petite page qui est en introduction et qui a été écrite par Julie. Et qui... En fait j'ai juste commencé en lisant ça et je me suis dit ok, ça va me plaire. Du coup je vous lis ça. C'est à vous que je souhaite dédier cette BD. Vous les déviants, les trop comme ceci ou les pas assez comme cela. Vous qui par votre simple existence transgressez les normes établies. Vous qui êtes un pied de nez au diktat de la normalité. Il n'y a rien à guérir chez vous, rien à changer. Votre rôle n'est pas de rentrer dans un moule, mais plutôt d'aider les autres, tous les autres, à sortir de celui dans lequel ils sont enfermés. Vous n'êtes pas là pour suivre une voie préétablie, mais, à l'inverse, pour emprunter votre propre chemin et inviter ceux qui vous entourent à sortir des sentiers battus. En embrassant votre identité profonde, en vous réconciliant avec votre singularité, vous devenez un exemple à suivre. Vous avez donc le pouvoir de faire voler en éclats ce carcan normatif qui nous étouffe tous et nous empêche de vivre ensemble dans le respect et la tolérance. Votre différence ne fait pas partie du problème, mais de la solution. C'est un remède à notre société malade de la normalité. Voilà, et du coup, je trouve qu'au-delà de parler de l'autisme, on parle de la différence et du fait que personne n'est normal, en fait. On est tous différents et... il n'y a pas de normalité, en fait. Vraiment, on est tous différents, on a tous quelque chose de différent. Et c'est quoi être normal? Il n'y a pas de normalité. Voilà, je me répète, mais vraiment, c'était vraiment très très bien. Du coup, je vous invite fortement à lire cette BD. Du coup, je vais enchaîner avec quelque chose de plus léger, voilà. Et je vais lire cette BD qui littéralement est vraiment gigantesque. Genre, elle fait deux fois la taille de ma tête. Est-ce normal? Voilà, je vais lire ça et je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et le chien est actuellement en PLS. Tu fais jojo, petit chien. Et du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai fait des photos tout à l'heure. J'aurais voulu vous filmer les backstage, sauf que je filme mes vidéos, mes vlogs, etc. avec mon portable. Et je fais mes photos également avec mon portable. Du coup, je ne peux pas vous filmer et faire des photos en même temps. Voilà, mais sachez que j'ai pris les photos pour tous les livres. Je suis pas forcément satisfaite de celle que j'ai fait pour celui-ci, mais bon, on verra. Et celle que j'ai fait pour l'autre livre que je vais lire tout à l'heure, j'aimerais te parler d'elle. Il faut que je la modifie un peu sur mon ordinateur, il faut que je rajoute des choses, etc. Donc je verrai ça tout à l'heure, je pense. Voilà, et en attendant, je vais aller lire ceci.
attendez, ça s'est lu très vite, ça ne faisait que 50 pages, donc voilà, 56 pages peut-être. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très cool. En fait, ici on va suivre Indira, qui est une petite fille qui va tous les jours dans les mines pour travailler et pour gagner de l'argent, voilà. Et Indira, elle a un petit frère, et son petit frère va un jour aller dans les mines à sa place, et il va disparaître. Et voilà, et on va la suivre, qui va partir à la recherche de son petit frère. Et c'était vraiment très très cool, j'adore les couleurs. Attendez que je vous montre. Voilà, c'est tout dans les tons bleu, gris, blanc, comme ça en fait. Il y a toujours un peu de neige, etc. Et c'était vraiment très très cool, je vous le recommande. C'est qualifié comme étant une BD steampunk un peu, je crois. Donc voilà, en tout cas, c'était très très cool. Et du coup, moi, là, je sais pas, il est 15h. Je sais pas si je rentre cette mèche, déjà. Je sais pas si je commence le dernier livre que je dois lire, donc j'aimerais te parler d'elle, ou si je retouche ma photo sur ce livre là d'abord. Mais je pense que je vais peut-être le commencer, ensuite je retoucherai ma photo, j'écrirai peut-être un article de blog, et ensuite je le continuerai, je le terminerai ce soir ou dans la fin d'après-midi. Voilà. Cheveux encore mouillés puisque j'étais à la douche et je viens de sortir la chienne, voilà, qui est en train de bouffer mon écharpe. Ah, elle est bien là. Je te disais, je vous retrouve bien plus tard. J'ai terminé de lire J'aimerais te parler d'elle, voilà. C'était sympa, je pense pas que je l'achèterai pour l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux, même si celui-ci était sympa. J'ai découvert des femmes que je connaissais pas. J'ai découvert des femmes que je connaissais, mais dont en fait je me rendais compte que, enfin, je les connaissais de nom, mais je ne savais pas forcément ce qu'elles avaient fait. Voilà, donc je suis contente. Malgré tout, c'est quand même assez restreint en termes d'informations. Alors c'est parce qu'on lui demande, juste de nous faire connaître des femmes connues et ce qu'elles ont pu faire. Mais du coup, des fois j'avais envie d'en savoir plus. Alors après, ça ne me demande que d'aller chercher davantage d'informations, ce que je ferai pour certaines parce que vraiment j'ai envie d'en savoir plus. Mais voilà, du coup j'ai terminé cette BD et du coup j'ai terminé tout ce que j'avais prévu de lire, en tout cas tout ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je suis très très contente. Cette lumière ne me plaît pas du tout, on va se mettre ailleurs. Vous tenez en équilibre sur le sopalin. Voilà, je suis contente aussi parce que j'ai pu retoucher ma photo pour J'aimerais te parler d'elle, j'ai ajouté les petits trucs que je voulais rajouter, donc voilà, je suis contente. Là, ce que je vais faire, j'ai un apéro FaceTime dans une demi-heure, une heure à peu près. Donc j'aimerais bien mettre à jour mon bullet journal un petit peu. Il faudrait que je mette à jour aussi mon fichier Excel où je note en fait toutes mes lectures de l'année avec l'auteur, le nombre de pages, le genre, si je l'ai lu en VO, en VF, etc., etc. Voilà, pour faire des statistiques en fait à la fin de l'année. Je vous en parlerai un peu plus si vous voulez dans une autre vidéo. Et du coup, bah, j'ai pas écrit d'article de blog, j'ai toujours pas écrit mes avis pour mes BD que j'ai lu en octobre. Il y en a que j'ai lu il y a un peu plus d'un mois, je pense, un mois en tout cas. Donc voilà, je pense que je ferai ça demain parce que de toute manière, demain, faut que je vous tourne aussi une vidéo que vous verrez avant celle-ci normalement, donc je peux vous le dire. Sinon, tant pis, je vous spoilerai. Mais c'est une vidéo où je veux vous parler enfin, je vais faire un top en fait des livres que je veux absolument lire en 2021, sachant, je vous l'ai dit, que j'ai plus de 200 livres dans ma palle. Donc ça va être compliqué de faire un petit top, mais du coup je pense que je vais faire ça là, je vais commencer à regarder ma palle, à faire une grosse sélection, et après je vais faire du tri pour en avoir plus que 15, voire 20 grand maximum, voilà, puisqu'entre temps il y a forcément plein d'autres livres que j'aurai envie de lire, puisqu'il y a plein d'autres livres qui vont sortir d'ici 2021. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça là avant mon apéro FaceTime.
Et je vous reprendrai après pour vous dire au revoir. Coucou, je vous retrouve du coup pour conclure ce vlog puisque il est 21h et que je vais aller sortir ma chienne et me mettre dans mon lit. Voilà, je peux me coucher tout de suite mais je vais me mettre dans mon lit. Du coup bah écoutez, j'espère que ce premier petit vlog bibliothèque et ce premier vlog tout court vous aura plu. Moi c'est un format que j'aime beaucoup les vlogs, donc je pense que j'essaierai d'en refaire. Surtout je trouve ça hyper motivant parce que du coup on a envie de montrer plein de choses, on a envie de faire plein de choses, donc du coup voilà, ça me motive. Ce que j'arrête pas de dire du coup, oui, il est temps que j'aille me coucher. Je vous fais des bisous et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut !